Mercredi 18 avril 2018, bonjour tout le monde. Nous comptons rentrer la Kaboun Kabopote pour la troisième sortie téléjournal la pour semaine-ci là. D'ores et déjà, on a souhaité tout le monde passer une excellente journée de mercredi. Mes principaux points qu'on pour faire ce journal là pour aujourd'hui, pour une fois qu'on a un adhère désir, c'est représentant tribunal de peine, conseil supérieur pouvoir judiciaire là, les remporter élection CSPJ est organisé hier mardi. Ministère Affaires étrangères en tête coulé avec l'Organisation internationale francophonie ouvrir mardi 17 avril là un atelier 3 jours avec représentants pays francophones Caraïbes là. Atelier ça a fait comme préparatif à 17e sommet OIF là qui a déroulé en Arménie. Dossier salaire minimum, célébration journée mondiale famille, t'es dans mi-temps, y'a une rencontre qui déroulé dans le Sénat République là, avec le ministre des Affaires sociales avec travail là, Stéphanie Auguste, qui était avec le directeur général du ministère Silla, Goudi Rivo, avec plusieurs autres cadres dans l'institution. Artiste Jean Belloni Murat, tout le monde connaît son nom Bello, c'est nouveau ambassadeur Bonne Volonté World Vision International AB. Présentation ça entraîne le cadre campagne assainissement World Vision lancée depuis plusieurs années pour faire promotion règles hygiène en d'un pays. C'est ensemble pour ça à camper l'autre cap de faire ceci à la journal là pour jeudi. On a fait vite arrêter ma chaîne YouTube là. On a tenu quelques secondes pour pas déplacer. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti et Jacques Ndé annoncé les différents sites conseillers supérieurs pouvoir judiciaire là organisé mardi 17 avril 2018 là élection pour représentant tribunal de paix ou dans CSPJ. Activité ça a déroulé en présence président pour cassation avec plusieurs juges et puis avocats qui sont dans différentes juridictions. Nadia Désir remporté élection ça yo face à magistrat Jean Clivens Desrivières. Il y a un reportage avec Fallon Delphin et puis Hervé Pierre. 137 juges votés et puis élu magistrat Nader Désir comme nouveau représentant tribunal de paix dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Élection ça qui déroulé en bas même Conseil supérieur pouvoir judiciaire, observateur et représentant différentes organisations droit monde t'est opposé. Représentant tribunal de paix Marigoua magistrat Nader Désir, représentant tribunal de paix en Savoie magistrat Erazi Zahi, représentant tribunal de paix Léogane Louis Eno René et représentant tribunal de paix Pétionville magistrat Jean Clivens de Rivière. Après magistrat Erazi Zahi et Louis Eno René fin désister, 163 juges de paix qui sorti dans 18 juridictions dans pays a te participé dans élection yo côté juge Nader Désir remplacé Jean-Étienne Mercier qui passait environ 6 années dans poste ça. Les candidats au nombre de 2 vu que magistrat Enoroné Louis a désisté au profit de maître de magistrat Nader Désir et magistrat Esaïe Raz a désisté au profit de Jean-Clivens Desrivières. Les candidats étant au nombre de 2 ont obtenu chacun le score suivant. 137 voix pour le magistrat Nader Désir de Marigot et 25 voix pour le magistrat Jean-Clivens Desrivières de Pétionville. Le magistrat Jean-Nader Désir est déclaré vainqueur. Juge titulaire tribunal de paix Marigot Nader Désir, dans le discours dans ces circonstances-là, remercie collègue Lio pour votre confiance à Balia. Magistrat Nader Désir dit qu'il compte sur tout juge pour aider le travail, pour mettre la magistrature haïtienne dans un autre niveau. Nous avons en nous un profond respect pour la magistrature et l'individu quel qu'il soit. Nous respectons aussi le choix de chacun et c'est pour cela que nous voulons saluer l'ensemble de la magistrature, même si quelques-uns, nous le savons, ont un sentiment de défaite. Mes honorables concurrents, la magistrature a gagné. Nous respectons l'ensemble de nos engagements en faisant preuve de modestie, de tolérance et d'honnêteté à l'égard de chacun de vous. La magistrature doit s'inscrire dans cette droite ligne de conduite. Cour d'appel, tribunal de paix première instance et tribunal de paix ont un nouveau représentant dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire pour continuer le travail pour améliorer le système de justice là dans le pays.
Merci à la collaboratrice en parlant de Delphine qui t'a présenté nous compte rendu si là l'autre information dans le journal là toujours dans ça qui est pour avec dossier justice et pour nous faire qu'on a président commission justice et sécurité dans le Sénat République là sénateur Jean-René Sénatus exprimer satisfaction pour décision commissaire gouvernement Miragon prend pour mettre mandat d'amener contre Atis Wins Jonathan Désir tout le monde connaît son nom méchanceté sénateur Sénatus qui pas d'accord avec monde qui a critiqué le cadre de ceci là fait qu'on est fort qu'il y a un exemple tracé dans le pays si nous voulons gagner un pays qui construit tout bon vrai puis junior puis bon société. Je vous invite à suivre un bout d'intervention sénateur Jean-René Sénatus. Bon commissaire du gouvernement qui a gardé côté mon a violé la loi et qui a mis mandat derrière moun. Moi je voulais espérer que l'autre commissaire qui dans 17 autres juridictions yo il a pris note que le commissaire Miragouane dit en dans l'école, pas qu'à tout démacrel. Quand dans l'école, pas qu'à bailler Imaïsa. Que artistio doit vecteur d'éducation et de changement pour le peuple haïtien. Que au pas gain droit, c'est mauvais mœurs, mauvais pratiques que y a bailler. M'a dit bravo à commissaire gouvernement et m'a demandé tout l'autre commissaire pour suivre contre tout le monde, quel que soit monde lié qu'il s'agisse de président de la République ou du simple citoyen. Qui a violé la loi, c'est pour le commissaire gouvernement qui a mettre le pantalon dans le taille pour poursuivre les gens qui ont violé la loi. Moi-même, je suis commissaire, moi commissaire du gouvernement, je suis président de la commission de justice, je suis bataille pour le commissaire gouvernement qui a mandat pour leur mettre le mandat d'amener des vagabonds, les gens qui ont fait des ordres dans la société pour ne pas révoquer. Et moi, je ne travaille pas comme sénateur, c'est garder tout ce qui a fait qui mal dans la société. Adresser les gens que je dois adresser pour faire appliquer la loi, m'a seulement dit bravo commissaire, continuez ainsi et que les 17 autres commissaires des juridictions de première instance du pays prennent note sur ça qu'ils doivent faire lorsque les gens ont fait des ordres en deux pays. Toujours au niveau du Parlement haïtien, commission affaires sociales Sénat République là, chita parlé mardi 17 avril avec ministre affaires sociales avec travail là Stéphanie Auguste accompagné avec directeur général du ministère Sila Rudy Rivo avec plusieurs autres cadres dans l'institution. Dossier salaire minimum, journée mondiale la famille et puis fonctionnement ministère t'en mis en discussion yo président commission affaires sociales là sénateur Wanik Pierre mandé ministre prend toute disposition dans cadre dossier salaire minimum là commission a recommandé dans occasion 15 mai cap marquer journée mondiale la famille pour ministère à discuter sur question famille qui puis important en pile pour société a tiré les ministre affaires sociales là c'est justement pour nous avoir une idée de comment le ministère des Affaires sociales a marché. C'est-à-dire, le Premier ministre de la Santé, le ministre de la Santé, des routes. Nous voulons connaître exactement comment ça y est, ce qu'a fait, ce qu'a pas fait dans le ministère. L'autre bagage qui vient, c'est que nous connaissons 15 mai, qui est venu là, c'est la journée internationale de la famille. Nous tenons à ce que nous connaissons qui ça, le ministère là, lui-même, il y a un agenda pour papa avec maman petite. Normalement, qui est dans une situation difficile. Et je pense que j'ai mis la presse, moi-même comme sénateur, tout le monde est dans quelle situation, et bien, la famille haïtienne est même liée aujourd'hui. Et je pense que l'autre bagaille qui gagne, c'est la question salaire minimum. Non, je pense que aujourd'hui, c'est 17 avril, excusez-moi. Et je crois, normalement, c'est le moment pour que normalement, nous chita avec le ministre pour nous connaître. Qui j'en sais exactement. Est-ce que le dialogue social là lui-même a commencé pour que ça qui a passé dans l'aéroport au Prince, ça qui a passé dans le parking de Caracol, pour ne pas arriver à Nessa. Et je crois que le ministre lui-même a en pile d'informations, en pile de remarques, en pile de recommandations, nous-mêmes nous faisons. Et bien nous-mêmes nous avons le ministre dans l'exécution et saldio parce que pratiquement nous-mêmes, surtout dans le cadre ouvrier, son rôle interface et la commission lui-même licencié jouer. Nous-mêmes, Napton ministre, nous avons ISHI, nous capable d'écrire pour capable avoir un rapport comment la question de l'inflation lui-même liée. Nous-mêmes, Napton ministre, et que c'est ce, si normalement, eh bien, après le fin de rapport ISHI, pas grand qui fait, c'est ce, la retourner et dans le Parlement encore pour que normalement nous connaissons, eh bien, est-ce qu'il y a un ajustement de salaire ou pas, bon côté ouvrier.
N'a pas toujours été dans le même dossier si la Soubopal, le ministre des Affaires sociales avec qui travaille la Stéphanie Auguste, exprime satisfaction pour un compte si la handicap et bien le fait travailler dans le ministère. Le ministre la promet, dans l'occasion de la journée mondiale des familles, le ministère a organisé plusieurs activités pour capable de marquer la journée, tant que conférences, débats, colloques, dans l'idée pour capable de sensibiliser les familles sur le rôle joué en deux sociétés. On peut vite suivre votre intervention, le micro fait venir confident avec Moïse Bridge. C'est ça qui permet que bon côté par nous, ministère, pour les pouvoirs exécutifs, la permet nous mieux atterrir parce que le législateur est là pour veiller, garder si la loi est respectée. Et le nous retourner nous-mêmes dans faire rétrospection, qui ça a demandé pour nous porter beaucoup plus de clarification. Ça veut dire, je pense, dialogue ça, je dis, il était profitable pour et honorable, pour commission. Hein? Puis on te poser des questions pour te porter éclaircissement dans mesure que nous t'es capable et il permet nous tout nous-mêmes pour nous garder qui mieux nous ca faire qui plus effort que nous ca faire pour que le ministère affaires sociales vraiment réponde à ça gain comme on dit exigence face à société pour nous ca décider si a gain augmentation de salaire ou pas faut que nous gain indice macroéconomique là. Parce que c'est selon effectivement la loi pour dire si un 10 ans, l'inflation a augmenté de 10% à plus, gagner en nécessité pour nous vraiment adapter la loi pour nous bas augmentation. Séance de travail, ça tout est permis nous en tant que ministère Affaires sociales pour nous porter, on dit, les lumières, porter projecteurs sur nous parce que ça a revenu nous de droit. Pour nous faire promotion de la famille et nous échanger idées avec commission hein, pour nous dire nous-mêmes nous voulons commencer activité au puis en avance que 15 mai nous ca faire des colloques nous ca faire conférence de presse et me penser que moi partager agenda avec commission particulièrement sénateur sénatrice qui remet idées. Notre information, le ministère des Affaires étrangères en tête coulée avec l'Organisation internationale francophonie. L'ouvrir le 17 avril, il y a un atelier 3 jours avec représentants pays francophones dans les Caraïbes. Atelier ça qui a fait comme préparatif à la 17e sommet OEF qui a déroulé en Arménie. Reportage Anne-Marguerite Augusta et Michel Joseph. Atelier ça, c'est pour permettre tout pays francophone de présenter plan d'action pays qui prend en compte priorité gouvernement yo dans divers domaines et spécialiste programme dans région yo Didier Mwewa Wa Mwewa fait connait atelier 3 jours ça a permettre chaque pays yo discuter sous priorité yo et puis aborder en même temps problème commun pays dans Caraïbes yo a fait face document qui pral élaborer a pral faciliter OIF connait plus bien comment li pral orienter action yo dans pays francophone qui dans Caraïbes là. Il va falloir écouter davantage les États pour une meilleure prise en compte des spécificités et des priorités de chaque zone géographique. Et la démarche de la francophonie pour les 4 prochaines années, c'est de se rapprocher davantage des populations et des territoires. C'est aussi de passer maintenant par une décentralisation plus accrue et une responsabilisation de nos unités hors siège. Ministre Affaires étrangères à Cultlan, Antonio Rodrigue, salue l'engagement OIF prend pour renforcer le travail pays francophone a fait pour tabler un lien plus serré dans le temps. Problème environnement, éducation, droit monde, c'est quelques points gouvernement haïtien mettait en pile accent dans le cas d'intervention OIF a fait en Haïti. Un accent particulier sera mis par la délégation haïtienne sur l'accompagnement que la francophonie pourrait donner à la formation, à l'entrepreneuriat et au renforcement des institutions, des industries culturelles, à la création des centres de formation en jeunesse et sport, et au renforcement des programmes de formation, à la protection de l'environnement, à la lutte contre le changement climatique et les catastrophes naturelles, ainsi qu'à l'usage du français comme langue officielle et de travail de la CARICOM. Représentant OIF l'a rappelé thème yoté célébré quinzaine francophonie qui c'est langue française très d'union non pour nager, qui c'est une valeur pour renforcer lien coopération à collaboration pays francophone.
ministre Affaires étrangères Soubo Pali croit espace francophonie permet de renforcer vivre ensemble avec solidarité dans mitan pays francophone qui considéré comme une source pour la paix dans partage pays francophone. Ministre de la Défense Hervé Denis retourné dans le pays pendant le week-end qui se passe là pour participation à la 13e conférence. Ministre de la Défense américaine qui était déroulée dans le pays Mexique, sorti 8 pour le 12 avril passé. Développer un mécanisme de coopération dans le domaine recherche et sauvetage après catastrophe naturelle, évolution rôle force l'armée dans le domaine défense et sécurité, c'est quelque point qui est discuté pendant 4 jours. C'était l'occasion pour le ministère de la Défense de rencontrer avec homologue dans le pays Mexique dans le cadre d'une séance de travail sur un protocole d'accord coopération militaire qui a été pour signer dans le jour qui a venu là. Il y a un extrait dans le micro, Marie Dieudonné, Artelot avec Hervé Pierre. La conférence a été sur et recherche et récupération, c'est-à-dire comment il y a pu rescaper les gens, les gens qui ont une catastrophe naturelle. Nous avons ouvert la cérémonie avec le commandant-chef et l'armée du Mexique. Donc, et puis ensuite, ça a été plus important, c'était la rencontre que nous avons besoin de faire avec le ministre de la Défense mexicaine. Et M. Zapata Sanfuego, qui est un général, il parle le ministre et le secrétaire de la Défense. Mais c'est tout comme ministre. Et lui-même, nous avons une grosse séance de travail avec lui. Et nous avons eu l'occasion pour nous au moins travailler pendant une heure et demie avec le ministre de la Défense, là, entouré de chef d'état-major, du commandant-chef, là, ainsi que de chef d'état-major. Et nous parler de coopération que nous sommes capables de développer. Ça m'a dit que nous, et dans la recherche de coopération actuellement, nous travaillons en pile pour que nous soyons capables de signer un protocole d'accord, une convention, un accord de coopération militaire, en génie militaire surtout. À titre peut-être comme ministre, moi que nous avons une possibilité que nous sommes capables de développer une très bonne coopération avec un pays, je pense, qui fait un pile bel effort. Dans ce qui concerne l'armée au service du développement, une armée qui a aidé les populations et une armée qui a les catastrophes pour avancer. Plateforme haïtienne plaidoyer pour développement alternatif dans tête coulée avec un mouvement paysan national a mis en route avec deux journées forum organisé sous validation cahier national revendication paysan. Organisateur activité ça a expliqué y a pas pour mettre sous pied un comité suivi pour capable adresser beaucoup d'autorités dans l'état yo ensemble problème secteur paysan fait face. Reportage Sainte-Croix Paquia qui a Fresnel tout ça. Possibilité pour population qui vivent dans milieu rural yo bénéficier différents services de base yo, mais y politique l'état haïtien doit prendre pour renforcer secteur agricole là et puis pencher sur dégradation environnement. C'est ensemble thème qui était discuté dans quatre deuxième journée forum sous validation cahier national revendication paysan yo. Organisateur activité ça annoncé formation yon comité suivi pour présenter ensemble problème secteur paysan fait face bon côté l'état haïtien. C'était là on va mettre un comité national de suivi gen un ensemble de travail qui va fait dans région yo à partir des sections communales, communes ou département yo mettre des structures là et puis chercher des moyens parce que n'a compté sous propre force nous. Pendant nous allons chercher des lots et organisations, institutions qui ont la même idéologie politique avec nous pour nous construire des outils économiques pour nous avancer. Chaque organisation qui a une grosse dimension dans le pays, qui fait partie des organisations paysannes, a montré engagement devant tout le public là, comment ils vont le porter cahier revendication paysanne. Ensuite, nous avons commencé avec le travail de groupe. Côté gagner 5 groupes de travail qui t'a réfléchi sur puis c'est son synthèse des 3 cahiers régionaux il t'a regardé est-ce que tout ça qui t'est dit dans cahier régional yo inscrit dans cahier national qui a validé a garder sens tout ça qui dit yo pour est-ce que pas gain flou et matin nous rivé présenter travail ça yo porte-parole mouvement paysan papa là Chavan Jean-Baptiste mandé autorité concernée permettre paysan yo joindre assistance technique bénéficier crédit, route agricole et irrigation. Paysans n'ont pas gagné assistance technique, paysans n'ont pas gagné aucun banque crédit pour bailler au crédit agricole. Je veux dire, pour paysans au travail, ils ont un problème de l'eau, son véritable problème. Problème environnement,
côté que terre yo fin dégradé la valas pote yo aller dans la mer. Donc chaque jour production agricole la baissé, paysan a parti qui était en dehors vinn gonfler la ville, paysan a parti qui était en dehors aller Saint-Domingue. Et je dis à dans pile monde qui aller Chili, en pile là yo c'est paysan parce que yo tombé dans désespoir. Donc c'est un arithmétique problème. Mais nous pensons que cahier ça, eh bien nous prenons le potel et nous pensons qu'il y a un gros problème et que nous souhaitons que l'État penche sous lui. Et nous dit l'État, tout secteur dans l'État, eh bien pour nous pencher sur le problème environnement paysan. Forum validation cahier national revendication yo, plateforme haïtienne plaidoyer pour développement alternatif organisé pendant 2 jours, entrée dans 4 célébrations journée internationale lutte paysan yo, journée mardi 17 avril là. Toujours dans sa rien pour avec dossier agriculture pour nous faire connaître ministre agriculture ressources naturelles et développement rural là Carmel André Béliard visité samedi 14 avril passé à une plantation papaye avec Pitimi et puis barrage bassin général dans commune Croix des Bouquets. Visite ça rentre dans le cadre d'un nouveau programme ministère Mété Campé qui baptisé mieux connaître le ministère de l'Agriculture, ressources naturelles et de développement rural. Un extrait dans micro télévision nationale d'Haïti. DVA, quand il a fait du riz, il y a des gens qui attribuent le ministère à Kaye, quand il y a un pile banane. Et bien, le ministère est partout, à travers toutes les communes, à travers toutes les sections communales et à travers tout le département. C'est ça qui fait que nous avons 10 directions départementales agricoles. Je veux dire, nous avons une direction départementale agricole. L'Ouest, nous avons commencé par un entrepreneur que nous avons encadré, un très jeune entrepreneur dans le cadre de production de papaye, que qu'on y a papaye, il a récolté sur 2 hectares, il y a 6 hectares en tout en production, suivant une plantation échelonnée. 2 hectares que cela a préparé, 2 hectares au stade de croissance végétative et 2 hectares en récolte. Après, nous avons traversé l'autre niveau d'entrepreneuriat, côté yon gros entreprise qui a fonctionné dans plein du cul du sac là, il est Winag. Côté que actuellement, nous avons que y a préparé près de 320 hectares de terre pour saison en printemps. Après, la information World Vision International AD présentée Jean-Béloni Murat, tout le monde connaît ce nom Bélo comme nouveau ambassadeur bonne volonté institution cela. Présentation ça entre dans le cadre de campagne assainissement World Vision lancé depuis plusieurs années pour faire promotion religieuse dans le pays. N'a pas pu te suivre un compte rendu avec Rachel Sefort et puis Fresnel tout ça. Campagne assainissement ça responsable World Vision International yo a mené dans diverses régions dans le pays. Tant que plateau central la Gonave visé éliminer maladie choléra dans le pays et puis faciliter population gain accès à services de base yo tant que de l'eau. Assainissement. Dans quatre programmes, nous visons toucher plus que 800 000 timons. Mais en termes clairs, nous touchons déjà plus que 271 000 timons à travers différentes activités que nous conduisons déjà. Et nous touchons à peu près 30 000 timons côté nous faciliter que nous ayons une infrastructure d'assainissement côté que nous avons fait besoin en façon pour renforcer l'accès à services de base dans la communauté côté nous. Mais nous-mêmes, nous voulons un public qui est beaucoup plus large, pour que nous travaillions non seulement avec les autorités locales, l'autre partenaire et l'autre membre pour nous continuer à faire sensibilisation dans l'autre zone, dans l'autre communauté, dans le pays. Dans le cadre de la campagne, pour mobiliser et puis sensibiliser la population sur le bon comportement et le gagner pour protéger la vie et la famille, responsable yo fait appel à Katis Bello comme ambassadeur bonne volonté institution pour aider dans travail ça. Me senti que m'utile parce que pas oublier que son réalité qui pas trop loin comme si me c'est dommage que campagne ça pour qu'on couvre tout le pays mais ou aller là quoi des bouquets ou bien de famille qui pas ont latrine la caillou et c'est pas par quoi son bagage que nous-mêmes tout nous ignorer et c'est peut-être un bagage que nous pas déjà réfléchi pour comment nous capable approcher by ça et que World Vision venir avec opportunité à moi-même moi profiter pour comme si m'était support pam la donne pour faire que by ça arriver plus loin pour nous conscientiser le plus de monde. Nous devons engager pour question l'hygiène, faut que tout le monde mobilisé, nous exposer, nous en danger
protéger santé famille nous. C'est parmi divers messages responsable World Vision International lui transmettre par population à travers une vidéo artiste Bello fait pour sensibiliser population en sous règle hygiène dans cadre campagne assainissement. Merci à la collaboratrice Rachel Simfort et puis Fresnel Toussaint qui t'a présenté nos comptes rendus ici là. L'autre information, dès qu'on a faculté médecine et pharmacie inauguré une salle espoir qu'il y a un système évacuation de l'eau dans le local faculté à mardi 17 avril passé. Activité s'est entrée dans le cadre de travail réaménagement bâtiment avec bien-être étudiant. On suit un reportage avec Daline Dorival et puis l'Aurore d'Ali Jean-Jacques. Cérémonie sa fête en présence divers étudiants faculté A, professeurs, doyens et plusieurs membres représentant Club Lyon International. Salle sport ça, équipée de plusieurs matériels neufs d'après doyen faculté médecine là, Dr Jean-Claude Cadet. Pas que jeunesse sans sport, étudiants mérité rester en bonne santé et puis jam pendant y a étudié pour ne citer parole doyen. Nous font caille et nous font un centre sportif là. Parce que pas de jeunesse sans sport. Donc, quoi là, soit ou là, ce sont des appareils de sport. Bon côté, il y a un président étudiant. Donc, nous allons organiser pour que le sport soit réalité dans la faculté de médecine. Lyon Club International, c'est un donateur principal qui permet de travailler et aménagement ça réalisé dans la locale faculté. D'après le président Lyon Club en Haïti, Eliasen Williams, projet ça coûtait environ 2 000 $ américains. Campus ça nous a visité là, nous c'est un bel campus. Et mais un bel campus c'est parce que c'est Lyon yo. Lyon d'Haïti nous contribuer, nous te voulons élaborer faire un bel bagaille, nous faire jardin, nous aménager de l'eau parce que le problème de l'eau nous connaît son bail difficile parce que sous fond caille ou par évacuation de l'eau car la bin l'aide, il pas représenter rien. Donc c'est ça Lyon au fait, nous faire assainissement de l'eau, nous faire jardin yo, nous faire monument de l'eau. Modelé Dave Bastien, qui est président étudiant, faculté médecine, exprimer contentement pour le travail sa yo qui fait en dans le local là. Promettre, yo prend le travail pour protéger l'espace là. Dans nos étudiants, yo, nous ne pouvons jamais suspendre manifester contentement nous. Et déjà nous remercier et partenaires de Lyon's Club. Nous remercions également tout le cadre de la faculté à qui bah nous ça. Désormais, nous avons une salle pour nous, côté nous jouer, nous gonner et pendant nous étudier, nous ne pouvons jamais suspendre le cas. Faculté de médecine et pharmacie, c'est une entité dans l'université l'État. Tremblement de terre, 12 janvier 2010, là, t'es complètement détruit. Mais rappel ensemble point qui était fait essentiel journal là pour jeudi à na DRA désir ses représentants des tribunal de paix dans conseil supérieur pouvoir judiciaire là il remporté élection CSPJ était organisé hier mardi. Ministère Affaires étrangères en tête collé à l'Organisation internationale francophonie ouvri le 17 avril là un atelier 3 jours avec représentants pays francophones dans Caraïbes là. Atelier ça fait comme préparatif à 17e sommet OIF là qui a déroulé en Arménie. Dossier salaire minimum, célébration journée mondiale famille, t'es dans mi-temps, une rencontre qui déroule le 17 avril là, entre commission affaires sociales, Sénat République, la ministre affaires sociales avec travail là, Stéphanie Auguste, qui t'es avec le directeur général du ministère Silla, Rudy Rivo, avec plusieurs cadres dans l'institution. Et pour finir, artiste Jean Belloni Murat, tout le monde connaît sous nom Bello, c'est nouveau ambassadeur Bonne Volonté World Vision International AB. Présentation, ça rentre dans le cadre de campagne assainissement World Vision lancé depuis plusieurs années pour faire promotion religieuse dans le pays. Nous sommes contents ensemble avec Martin Refon, pour nous être capables de porter pour la troisième sortie téléjournal pour semaine-ci. On a souhaité tout le monde passer une excellente journée de mercredi. Nous avons cassé rendez-vous demain matin pour une toute nouvelle sortie téléjournal. Mais entre-temps, restez branchés télévision puisque l'information est prête pour suivre sur télévision l'État.